Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien ce soir. Moi, je vais super bien. J'ai fait une balade. Je vous raconte après. J'ai fait une balade à Genève, enfin dans la campagne genevoise. Salut Karl Marx en Air Max. Fidèle. Bonsoir, Just Faces. Content qu'il y ait du monde. Ouais, j'ai fait une balade dans la campagne genevoise et si vous saviez ce que j'ai trouvé, c'est incroyable, c'est totalement incroyable. Mais on va en parler parce que c'est magique. Mais avant, comme tous les mardis, une petite citation déprimante hein, pour commencer la soirée. Juste pour vous dire que, en fait, ce soir, il y a personne qui modère à côté de moi. Je suis tout seul. Donc, voilà, c'est pour ça que j'ai mis bonsoir à toutes et à tous. Et puis que s'il y a à répondre par le chat, bah, je prendrai un petit peu de temps pour mettre les sources ou des choses comme ça. Mais voilà, quoi, c'est tout. Bonsoir, Solacat Georgia. Voilà, donc on commence par une petite citation très courte. Très, très courte. J'aime à réfléchir parce que je sais que bientôt je ne réfléchirai plus. Voilà, c'était Pessoa dans le livre de l'intranquillité. Juste avant de commencer, enfin, même si on a déjà commencé, vous dire que la semaine prochaine, je reçois mardi, je reçois Isabelle Panatier, qui était directrice de la ferme Asile. Enfin, waouh! Ça va être assez génial. Voilà, je vous redirai ça tout à l'heure à la fin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu un jour un mail passer par une personne qui me dit on a des revues à donner. Je dis, bon, et je regarde la liste des revues. Je dis, waouh! Ça m'intéresse beaucoup. Et donc, je suis allé aujourd'hui chercher. J'étais dans la campagne genevoise et j'ai récupéré une partie de la collection de Christos Kalogiewrekis. Et donc, la collection était donnée par sa mère et sa fille, que je remercie beaucoup. Et je vais vous lire la petite lettre que sa mère m'a donné, sa mère, sa femme, pardon, excusez-moi, sa femme et sa fille, que sa femme m'a donné. Voilà. Christos Karageorgis, 1933-2013. Christos est né le 14 février 1933 à Doxato, Drama, en Grèce du Nord, près de la frontière bulgare. Son père était médecin issu de cette région et sa mère originaire d'une famille grecque d'Asie mineure. Ses parents ayant déménagé à Athènes puis en périphérie à Maroussi, c'est là qu'il fit toutes ses études, ainsi que sa sœur aînée jusqu'à l'obtention de l'équivalent grec d'une maturité classique. Au sortir de la guerre civile grecque, son père décida de l'envoyer étudier la médecine en Suisse, désirant qu'il reprenne plus tard le cabinet médical. En 1952, Christos arriva d'abord à Neuchâtel, où l'on parle le meilleur français. C'est ce qui se dit, hein. Trois points d'exclamation. Mais trop tard dans l'année pour commencer les cours de médecine. C'est alors qu'il s'inscrivit à la faculté des lettres et qu'il étudia pendant un semestre la littérature française. Par la suite, il fit ses études à la faculté de médecine de Genève, obtint son diplôme puis sa spécialisation en rhumatologie. Il décida de rester en Suisse et en 1972, il ouvrit son cabinet médical à Genève après avoir obtenu sa naturalisation suisse. De caractère très curieux, dans beaucoup de domaines, spécialement dans tout ce qui touche à l'art, à l'histoire, à la culture en général, et capable de coups de cœur, il s'intéressera à la littérature française et grecque du XXe siècle surtout. Aux poètes comme aux écrivains, avec comme dada le surréalisme. Aimant aussi la peinture du fin 19e et première moitié du 20e, il court les expositions en plus de fréquenter assidûment les libraires parisiens.
Il se liera aussi d'amitié avec des relieurs réputés auxquels il confie ses acquisitions. C'est ainsi que petit à petit, il constituera sa bibliothèque, dont il sera très fier, mais dont il ne parlait qu'à de rares amis bibliophiles comme lui. Sa bibliothèque, c'était son antre, son coin à lui où il aimait se retirer et déguster. Il avait 45 ans quand nous nous sommes mariés. À Paris, je l'ai dès lors souvent accompagné chez Nicaise, qui était devenu un ami, chez Madame Alix et surtout chez Monsieur Martin, auquel il confiait ses livres. Nous allions aussi visiter Monsieur Duhaillon à Nice dans son petit atelier. Il savait attendre de longs mois avant de pouvoir récupérer des chefs-d'œuvre. Il était très minutieux, aimait le travail bien fait. C'est du reste pour cela qu'il aimait travailler en Suisse et y est resté. Il avait le goût des belles choses, à admirer, à toucher, à palper, à caresser. Le beau papier, la douceur du cuir, le galbe d'une sculpture, mais aussi des objets surprenants, inhabituels, parfois même osés, tels certains livres-objets. C'était un épicurien. Il aimait les mets raffinés et les bons vins à humer, à déguster. Du reste, il est devenu aussi un fin cuisinier et a collectionné d'innombrables livres de cuisine des grands chefs. Mais c'est une autre histoire. Voilà. Et donc, avec parler de reliure. Voilà. Il se passe quoi là ? Ici, on parle de livres. Voilà. Donc ça, c'est le monde. Et le monde relié, magnifique reliure. J'en ai 38 volumes. Ma voiture avait un peu de mal je mets la liste en fait de ce que j'ai ramené. C'est une liste qui est peut-être pas complète totalement parce que mais la voiture était pleine. Ouais, c'est quoi ce livre de merde ? Hein ? Mais c'est pas un livre de merde, c'est le monde. C'est le monde et c'est vraiment intéressant. C'est des reliures, enfin des journaux du monde qui ont été reliés. Alors, et un petit peu de politesse parce que c'est pas très joli, livre de merde. Pour moi, un livre, c'est jamais une merde. Hein. Même le journal télé. Et justement, je vais vous lire le programme télé du samedi 7 juillet 1984. C'est. Peu importe combien ça coûte. Je suis passionné par les encyclopédies. Ah, super. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que donc c'est la télévision française. Je vous dis pas tous, hein, tout, mais jeudi 12 juillet. Donc on commence par bonjour, bon appétit avec les darioles de cervelle de veau. Il y a aux frontières du possible, attention névrose, objectif santé, le plomb à risque actuel. Après il y a danse, Tamdi Delam avec les grands ballets canadiens et Gilles Vigneault. Spécial Tour de France cycliste, évidemment. Croque Vacances, dessin animé. Votre auto à 100 ans. Série Une autre vie avec une chronique des Indiens, Wayana. On retrouve le Tour de France. Variété le soir, Linda de Souza. À 21h35, l'agenda. Et à 23h15, Vivre en poésie. Et écoute, si t'es pas content, Valchi, tu t'en vas. Ça c'était sur la TF1. Après on va sur la deuxième et les envahisseurs, les chiffres et les lettres déjà, le théâtre de Bouvard, les clubs des télévisions du monde, Robin des Bois, la route des icebergs. Et sur la 3, on commence à 19h03 avec les mots en tête. Après, il y a du cinéma. Et puis, à 23h35, on a Nostalivre, une émission de Jérôme Garcin. Et j'ai trouvé ça incroyable. En fait, sur la même journée, il y a 4 émissions sur lesquelles on parle de livres. Et c'était l'été. Hein, voilà. Alors, après, j'ai tourné comme ça. Et... ouais, c'est le contrôleur. Et il y a les lumières et les paysages de Philippe Jacotet. Donc ça, c'était le vendredi 10 août 1984. Une même question posée de mille manières par un complice et ami de Pierre
Je suis sur TF1 ou sur Twitch. Ah, d'accord. Okay. Moi, je regarde pas la télé, en fait. Je dis, des fois, j'écoute les infos, mais j'y regarde rarement. On est sur Arte. Moi, c'est bien. Je regarde des fois des podcasts, mais voilà, je sais pas où j'écoute. Les lumières et paysages de Philippe Jacotet. Une même question posée de mille manières par un complice et ami de Pierre-Albert Jourdan. Philippe Jacotet est traducteur de Hölderlin, Musil ou bien Dante. Scrupuleuse patience, la traduction l'habite, ainsi que d'innombrables fantômes, ceux de Rilke, Mendelssohn, Maître Eckhart ou Plotin. Mais il est aussi traducteur de paysages, de lumières, traducteur des églantiers, des rouges-gorges, des longues couleuvres vertes, des instants immobiles qu'il capture à la lueur de ces petites lanternes que sont les poèmes au bord du mont Ventoux. La Semaison, donc ça c'est le livre qui paraît à ce moment-là, Semaille, Semaine, Saison, n'est pas un journal, même si ce livre rassemble des notes cueillies de 54 à 79. Ce sont des croquis, dit Jacotet. Peut-être la même question posée d'un millier de manières. Comment parler de ce qui est absolument simple? Comment trouver les mots qui ne trahiront pas l'émotion antérieure à toute description? L'émotion propre qu'inspire le battement d'ailes d'un rosier au ciel d'une noirceur de cendre, une journée jaune et rose, la beauté. Et puis, alors, je ne sais pas si je suis intelligent, dans le 19 octobre, et j'ai terminé avec ce numéro-là, mais en fait, si vous voulez, j'ai sorti les trucs de ma voiture, les livres de ma voiture, et j'ai essayé de prendre un de chaque collection. Et je suis tombé sur des trucs complètement fous, en fait. Et là, le monde des lettres, du 19 octobre 1984, c'est les Français et la lecture, ce vice impuni. J'ai trouvé ça assez marrant. Nous avons cherché quelle réponse donner de leur côté des grands écrivains. Pour Descartes, la lecture de tous les bons livres est comme une conversation avec les plus honnêtes gens des siècles passés qui en ont été les auteurs, et même une conversation étudiée en laquelle ils ne nous découvrent que les meilleurs de leurs pensées. Madame de Sévigné disait: la lecture apprend aussi, ce me semble, à écrire. Madame du Deffand confiait: je n'aime point à sentir que l'auteur que je lis fait un livre. Je veux imaginer qu'il cause avec moi. Alors, causons. Ah non, alors je ne suis pas du tout prof d'histoire. Je suis. Comment je pourrais me qualifier? Je suis dans le livre, en fait. J'étais libraire, maintenant je travaille dans une maison d'édition, mais je fais des ateliers d'écriture, des ateliers. J'agite le poireau en atelier de bibliocréativité. Je fais plein de choses. J'adore ça. Voilà. Alors, je vous parlerai d'autres choses après. Vous avez vu la reliure, le poids. Hein, quand même. Bon, je sais qu'au premier étage, ça va. Hein. Mais 17 voyages quand même. C'était. Mais voilà, incroyable. Donc, on va rythmer la rencontre de ce soir avec une partie de ces livres, mais il va y avoir d'autres choses. Entre autres, hop, une revue que j'ai découvert ouais, passeur de textes et de mots, si on peut dire ça. Ouais. Là, par exemple, je passe dans les librairies tout de suite, je représente des nouveautés qui vont paraître chez différents éditeurs. Et moi, j'arrive toujours en avance. Premièrement, parce que je me perds. Donc, comme je me perds tout le temps, je n'ai pas le sens d'orientation. Je prends toujours du temps avant et en général, je suis avant l'heure, ce qui me permet de faire un tour dans la librairie. Et j'aime bien faire un tour dans les librairies avant. Comme ça, je vois un petit peu ce qu'ils mettent en avant et tout. Et à Page d'encre, à Delémont, dans le Jura, je suis tombé sur une revue française qui s'appelle Ici Bazar, et qui est vraiment extraordinaire. Alors, je vais vous mettre le lien. Alors, ce qui m'a fait tilt, c'est que le premier numéro que j'ai vu, c'était un numéro sur Longomaille. En fait, c'est une revue qui donne la parole à différentes personnes qui exercent des métiers ou qui sont dans des situations. Donc là, on est à Longomaille, qui est dans le Jura suisse.
Et moi, j'avais été au Longomai, qui est à côté d'Arles. Et c'est génial. J'ai mangé des pizzas toute la nuit, quasiment. Enfin, on avait, je sais pas combien de personnes étaient là, qui revenaient de certains Longomai qui étaient en Allemagne. Ils revenaient d'un procès, qui avait été, il y avait eu un prix qui avait été décerné, pour des personnes qui étaient en difficulté. Enfin, voilà. Donc, celui-ci, c'est sur Longomai. Il y en a un, c'est sur une boulangerie qui fonctionne qui a un fonctionnement horizontal. On a déjà parlé des fonctionnements en horizontalité, autogestion, voilà. Et ça qui se trouve dans les Côtes d'Armor, à Meilhonnec, voilà. Et l'autre, c'est marrant, je n'ai pas pensé, je n'ai pas fait le lien, mais on se retrouve avec la Grèce, en fait, avec 8000 arbres à élever, avec Dimitri Tsitos, agriculteur sur l'île de Bé en Grèce. Et en fait, c'est une histoire incroyable, ce gars. Ce gars, est-ce que j'arriverai à vous retrouver le passage? Je trouve ça excellent. Il s'appelle Dimitri. Voilà, ça doit être par là. Voilà. Je trouve ça géant. Une seule question et il ne s'arrête plus. Sous sa forêt de cheveux, il rit en cascade, fort. Il a 25 ans, les idées fusent, la parole file, parfois se contredit. J'ai du mal à l'imaginer, mais ce jeune homme aux yeux verts, qui parle aussi bien de business plan que de compost, aurait bien pu passer sa vie en costume-cravate. Il a étudié l'économie à l'université d'Exeter, en Angleterre. On nous parlait du capitalisme sans aucun esprit critique. En fait, on nous expliquait comment devenir banquier. Mais je réalisais petit à petit dans quelle bulle européenne on vivait. Après avoir brillamment réussi son bachelor, il aurait dû enchaîner sur un master en management. Mais non, il veut d'abord goûter le monde, s'octroyer une pause. Direction la Colombie, puis l'Équateur. Simple bol d'air frais, bol d'air au départ, le voyage se transforme en quête existentielle. Il décide alors de ne pas continuer ses études, au prix d'un énorme conflit avec son père, qui imaginait pour lui un parcours tout tracé dans un système établi. En Équateur, il habite dans un petit village, apprend à faire du pain, se balade pieds nus, surfe, et presque 2 ans après son départ, le coup de foudre. Il rencontre un nouveau mot, la permaculture. La découverte de cette méthode lui servira de porte d'entrée vers une nouvelle relation aux arbres et à la nature. Et alors, un petit peu après, après sa journée de travail, je retrouve Georges, le père, au café de la place du village. Ici, Georges et Giorgio. Il parle un bon grec avec le patron, offre un verre aux 2 clients présents. À bien y regarder, peut-être est-il aussi en train de s'occuper de relations publiques. La famille Tsidos habite dans un village où l'agriculture alternative n'est souvent qu'un lointain concept. Il faut user de stratégie, s'allier pour être accepté. Georges a grandi à Genève, dans une famille grecque. À 27 ans, il crée sa première société informatique de gestion de documents. Puis, il a monté et redressé les entreprises, principalement des PME. Il a bien gagné sa vie. Les ongles noircis par la terre, il raconte comment, avec Christine, sa femme, ils les ont trimballés leurs 2 enfants au rythme de ses défis professionnels. Des allers-retours entre Genève et Londres, la Haute-Savoie, puis Athènes. Et il y a 2 jours, j'ai eu du mal à imaginer le fils en costume-cravate. Et ce soir, j'arrive pas à imaginer le père dans des réunions. Entrepreneur atypique, impulsif, avide de performance et d'extrême. Heureux de son sort, aujourd'hui, à 54 ans, il se remémore son passé. Généreux, Georges a aussi quelque chose d'efficace quand il explique ou questionne, comme s'il n'y avait jamais de temps à perdre. Il raconte sa version de l'épisode en Équateur, ça j'ai vraiment adoré. Quand Dimitri lui annonça sa décision de ne pas continuer ses études. Quelques mois après, Georges sautait dans l'avion, élongeait 1 500 km de côte à moto pour avoir une discussion en tête à tête. Son imagination travaille, son fils pourrait devenir un fainéant, hors de question. À ce moment-là, Georges ne le sait pas encore, mais Dimitri va l'amener à une totale reconversion. Bientôt, le père poussera son fils à acheter un terrain avec lui, foncer, écouter, se faire écouter, pas le temps d'hésiter.
Mazzi Farm, donc c'est le nom de la ferme, Mazzi Farm est né comme ça, d'une prise de conscience à propos de l'écologie, d'une envie de défi. Et je trouve ça incroyable, incroyable ce truc avec ce fils qui son père est vraiment pas content, puis il va le rejoindre dans ce projet. Enfin, c'est magique. Quand je suis arrivé tout à l'heure chez Madame Kerajevrekis, le premier sac que j'ai vu, il y avait une revue dessus. Et la revue qui était dessus, c'était celle-là. C'était la revue Poésie 88. Oui. Ça, c'est les revues Poésie du... Enfin, non, c'est la revue 21. La revue, mais de 1988. La revue numéro 1 jusqu'à la 41, qui sont là. Et celle qui était dessus, c'était celle-là. Et je vois... Hommage à Pierre Segers. Alors bon, vous savez combien j'aime Pierre Segers et sa collection. Et puis voilà, quoi. Il n'y a pas de hasard dans la vie, il n'y a pas de hasard. Allez, je vous en ai un petit extrait. Je me suis dit, je pense que je vais refaire des soirées poésie, c'est pas possible. Là, il y a... j'en ai ouvert deux ou trois et j'ai qu'une envie, c'est de passer une nuit blanche, quoi. Enfin, lire à voix haute tous ces textes, il y a des choses extraordinaires, extraordinaires. Je suis vraiment touché de ça. Fils de la famille du livre. Donc ça, c'est un texte que Pierre Segers avait écrit dans Fortune, Infortune, Fortune. Fils de la famille du livre, j'ai vécu dans les profondeurs trop longtemps. Je n'ai rien appris, ni le vent, ni rose des vents. Dans l'indistinct, je n'ai rien vu. Aveugle et sourd comme une pierre, un galet qu'un enfant choisit, l'index l'entoure. Il l'a lancé à l'étal de la marée, toujours plus loin, toujours plus vite. J'ai ricoché sans le savoir. Je n'étais que ma trajectoire libérée du poids initial. À mon état, je suis rendu à l'opaque, à ma pesanteur et à bout de force. Je coule dans les yeux de cet innocent qui me prit d'entre les cailloux pour rejoindre d'autres galets. Qui des deux a effleuré l'autre et l'a plongé et l'a changé en un abîme de questions? Voilà, Segers. Et un autre petit texte de Segers, ça s'intitule « Ici, un autre ou ailleurs ?» Je me fuis dans les logogriffes, chez les Indiens Bamileke, chez les Japonais un vaudou, dans les galaxies, un français. Quelqu'un connaîtrait-il la langue? Ok, on va refaire des soirées de poésie alors. Faut que je regarde quand est-ce. Il y a un jour comme ça, vous préférez? Un jour, une heure, dites-moi. Un permanent fileur de loch, sondeur de haut fond, un vieux fou. Identité? De la famille. Je suis tatoueur de visage révélé à la chambre noire. J'inscris un filigrane obscur. Le tien, le mien, l'autre parfois. Repentir du chemin des ombres, un acteur surgit, se surprend. Dans son rôle, c'était écrit. Il s'estompe et rentre en coulisses. Était-il doublure et mirage? Non pas ivresse des oiseaux, mais une fausse entrée, un champ plus bref que ta vie, une absence, un vide insensé. Un vertige, l'insaisissable poursuivi, haletant, mal cadré, diffus, dans les jointures du passé. Ici, ailleurs, il sent qu'il ose. Arthrite de l'âme, peut-être. Rêver d'être un autre, pourquoi? Voilà. Et en plus, c'est magnifique. Vous voyez, là, par exemple, là, il y a Mayol. Les illustrateurs avec qui Segers a travaillé, c'est vraiment tout un travail. Ça, c'est une calligraphie que Segers a faite, qui s'intitule Amour. C'est. Voilà, tac. Euh,
Ouais, j'ai bien aimé aussi ce petit mot qui était là de Segers. Si la poésie ne vous aide pas à vivre, faites autre chose. Je la tiens pour essentielle à l'homme autant que les battements de son cœur. Avec l'écriture de Segers, c'est très touchant. La semaine dernière, le dimanche, donc je ne sais toujours pas si c'est le début ou la fin de la semaine. Ouais, moi non plus, je sais pas. Mais ouais, ok, le dimanche. Dimanche, 20h, 21h, 22h, 23h, 3h, 1h du matin. moi, je suis pris le matin, je vais me promener. En général, le soir, je suis là. Donc, la dernière fois, on a fait un piquelu. Je vous rappelle le piquelu. Je prends un livre derrière, que je ne regarde pas. Je vous en lis un extrait. Si vous trouvez le titre ou le nom de l'auteur, vous avez gagné un livre que je vous envoie. Et le livre que je vous ai lu l'autre jour, c'était un extrait de Et rien qui ne sort des bouches de Guillaume Brandebourg aux éditions d'Ores et Déjà. Et rien qui ne sort des bouches, donc je vous avais lu un petit extrait. Voilà, et puis personne n'avait trouvé, donc personne n'a reçu le livre. Voilà. Et bah tiens, on va faire. Je sais pas trop, il y a des bouquins qui sont en travers. C'est un peu le bazar là. Alors le couloir, il y a mon voisin qui m'a croisé, qui m'a dit et dans le four, il n'y a rien pour l'instant. Alors, non seulement la scolarisation dans une nouvelle langue ou dans la langue faible, si elle est déjà connue, peut avoir un impact sur l'enfant, mais elle peut l'avoir également sur la famille en général et notamment sur les parents. Donc là, si vous connaissez le titre de l'ouvrage ou le nom de l'auteur, je discute un peu avec vous après et puis on voit quel genre de bouquin vous voulez recevoir. Voilà, j'envoie des bouquins différents suivant. J'envoie pas le bouquin que je suis en train de lire. Ça vous intéresse pas obligatoirement. Mais, voilà. Dalila, Rezoug et ses collègues rapportent ainsi le cas de Madame A. D'origine algérienne, mère de quatre enfants, Madame A dit lors d'une consultation que ses deuxième et troisième enfants nés en France ont parlé l'arabe jusqu'à l'entrée en maternelle. Mais après quelques mois de scolarisation, ils ont commencé à répondre à leurs parents en français. Le dernier né de la fratrie a appris à parler français avec les aînés avant l'école maternelle et n'a jamais eu un niveau d'arabe comparable à eux. Madame A dit avoir vécu difficilement la perte de l'arabe des trois derniers enfants, car elle ne peut pas parler librement avec eux et souffre de ne pas toujours être comprise. Elle se sent isolée et défavorisée. De son côté, Richard Rodriguez a été le témoin direct d'un changement lorsque les enfants ont délaissé l'espagnol pour passer à l'anglais. Un calme inédit régnait à la maison. Ce calme était dû en partie au fait que nous autres, enfants, en apprenant de plus en plus d'anglais, partagions de moins en moins de mots avec nos parents. Il fallait articuler des phrases très lentement quand nous nous adressions à notre père ou à notre mère. Et ça, c'est un ouvrage qui est, je vous donne le nom de l'éditeur, qui est chez Albin Michel. Alors, je vais chez Madame Garagé-Frekis et sa fille me dit, ah puis on a retrouvé quelque chose. On a retrouvé des numéros du crapouillot. Alors, je ne sais pas si vous connaissez un peu le crapouillot. Moi, je connaissais, en fait, mon père était, je ne sais pas s'il était abonné ou s'il le lisait régulièrement, mais c'était la mauvaise époque du crapouillot, hein. C'était vraiment droite-droite. Moi, bon, je sais, je savais très bien qu'il n'était pas à gauche, hein, non plus. Mais voilà, moi, le crapouillot, pour moi, ce que je trouve assez génial, c'est toute cette période où c'était le journal de guerre. Donc, je me suis dit, bah voilà, bon, je vais regarder. Même, Jean Edernallier, il est parti aussi du crapouillot. Enfin, je crois qu'il a participé au crapouillot, etc. Ah non, alors. Alain Soral, je lirai pas.
je dépenserai pas d'argent pour lire Alain Soral. Pour moi, c'est insupportable, c'est à vomir. Il est à vomir, Alain Soral. Mais voilà, non, j'ai pas lu. Il y a Nolo, Éric Nolo, qui a fait un bouquin avec Soral. J'aurais bien voulu le lire, et franchement, j'ai pas. Je lui ai dit, Éric, je lui ai dit, écoute, je vais pas mettre un centime pour l'extrême droite. Moi, j'ai pas de barrage, hein, à part l'extrême droite. Pour moi, l'extrême droite, c'est out. Enfin, c'est exclu de mon univers. Je peux discuter avec plein de gens, mais là, il y a trop de souffrance derrière, il y a trop de mensonges. Enfin bon, j'ai pas envie de parler politique, mais j'ai toujours milité toute ma vie. Ah, mais même si le livre est d'occasion, je dirais pas Soral. J'ai pas du tout envie de lire Soral. Ce qui est compliqué, c'est de lire Céline, parce que j'adore Céline. C'est vraiment toujours un truc compliqué pour moi. Mais voilà, Soral, c'est pas un écrivain non plus. C'est un pamphlétaire. Donc, je peux lire des pamphlets de plein de gens. Et donc, là, je tombe sur le Trapouillot. Mais alors, il est emballé parce que je pense que c'est un numéro assez rare qui est de août 1928 et qui est un numéro spécial anniversaire sur la guerre. Et je l'ouvre. Et alors, une surprise totalement incroyable, je tombe sur un texte de Marc Stéphane. Oui, Édouard Nappe, je connais. Ouais. C'est un écrivain, je suis d'accord. Mais voilà, je suis pas d'accord avec J'ouvre ça et je tombe sur un texte de Marc Stéphane. Donc, je vous avais dit que j'avais habité sa maison en Normandie. Donc c'était la villa du poète. Et dans les livres qu'il a fait paraître, il a fait paraître un livre qui s'appelle Ma dernière relève au bois des corps. Il se trouve que quand j'étais représentant en France, on diffusait les éditions italiques. Et les éditions italiques disent, ah, on va rééditer Ma dernière relève au bois des corps de Marc Stéphane. Et là, je dis à l'éditeur, mais il n'y a pas d'illustration à l'intérieur. Il me dit, ah, non, il n'y a pas d'illustration. Je dis, mais moi, j'ai l'édition originale avec des illustrations. Donc, j'ai passé l'édition originale. Et puis, ils l'ont édité avec les illustrations. Et là, il y a un extrait du texte de Stéphane, mais avec des dessins d'illustrateurs du Crapouillot. C'est totalement incroyable. Et en fait, je vais vous lire un petit extrait de. Donc là, c'est intitulé. Le sous-titre est intitulé La peur, mais. Voilà, c'est pour illustrer le texte. Je voudrais bien connaître le Jean-Foutre qui dit n'avoir jamais eu peur. Né. Je somnole béatement en faisant fumer mes jambières l'une après l'autre au feu de l'âtre dans le bourdonnement confus, dans le va-et-vient incessant quand je me sens tapoter l'épaule. C'est le petit débonny qui veut me recommander encore d'attendre devant que remonter, car je vais avoir une corvée de munitions à conduire à GG2, probablement vers 1 h du matin. Et il est mon lieutenant? 11 h. Bon, ça, j'aurai donc le temps de me sécher à fond et même de griller délicieusement mes pauvres reins courbaturés. Mon remède ordinaire est le plus efficace contre le lumbago. Vous n'êtes pas bien, caporal. Ça se voit, me dit le petit débonny. Mais quoi? Puisque vous avez eu l'énergie de réintégrer les tranchées non guéries, il convient de tenir jusqu'au bout, car ce n'est pas le moment de lâcher la rampe, et vous avez dû vous rendre compte que l'exemple du sang-froid est urgent, plus urgent que jamais, et que la contagion n'est malheureusement guère à craindre. Vous en faites pas, mon lieutenant, la crise est passée, et on le donnera l'exemple. Ah, j'y compte. En attendant, reposez-vous, je viendrai vous avertir quand la corvée sera prête. Bon Dieu, qu'est-ce là? Les fourriers et les doubles qui griffonnent d'un nez maussade, affalés sur la longue table poisseuse du réduit, avec de grands cahiers et registres devant eux. Ils font des états. Ils copient des rapports. Et ils en mettent, les frères. Ça, par exemple, c'est plutôt farce. Ô sainte ubureaucratie,
Quousque tandem. Ô routine ineffable, nous demandons des artilleurs et tu nous donnes des scribes. Toujours le sabre de Ramolo au poing de Joseph Prudhomme, toujours et partout et surtout et en tout l'influence néfaste, l'odieuse tyrannie du c*** monstrueux. Ils seront là demain à déferler en vagues irrésistibles et qui balayeront tout. Et c'est le stylo que nous avons au poing. Vraiment, lorsqu'on voit ça, ça et bien d'autres choses d'une égale imbécilité, c'est alors que l'on comprend, pour peu qu'on ait deux seuls d'esprit critique, le sens profond de la présence des Allemands à 80 km de la place Pigalle, sans qu'on puisse les démurger. Ah, tiens, le militarisme français, le culotte dépotisme me dégoûte par trop. Dormons. Et moi, je vous avais dit, quand j'ai découvert Marc Stéphane, j'ai trouvé une telle similitude d'écriture avec Céline. Et j'en avais parlé à Fabrice Collin, qui a fait le dictionnaire de l'argot, parce qu'il y avait beaucoup de citations de Marc Stéphane dedans, et qui m'a dit que ce serait intéressant qu'un jour quelqu'un puisse, un universitaire puisse plonger dans ça. Parce qu'en fait, Marc Stéphane a été découvert par Léon Daudet 2 ans avant Céline. Et moi, je suis assez persuadé quand même, en ayant lu tous les bouquins de Marc Stéphane, que Céline a lu Marc Stéphane. Voilà. Et donc, Daudet a découvert Céline après, enfin, 2 ans après. Quoi. Enfin, voilà. La semaine dernière, j'ai reçu Patrick Vallée-Lyon et il m'a fait un cadeau incroyable. Un ouvrage qu'il a écrit, qui est le témoignage de Ruth Fayon. Ça s'intitule « Auschwitz en héritage, de Karlsbad à Auschwitz, itinéraire d'une jeune fille dans l'enfer de la Shoah ». Alors, c'est un bouquin qui a été édité aux éditions Alphil, et je vous mets la référence tout de suite. Et Patrick Vallée-Lyon m'a dit que le bouquin sera réédité prochainement en poche. Alors j'ai été voir sur le site de Alphil, il n'est pas indiqué dans les apparaître. Mais, voilà. Alors je me suis dit, j'ai envie de vous lire un extrait, et je vous lirai pas d'extrait, parce que franchement, cette parole, elle doit être lue, mais elle doit être lue et elle doit être partagée. Je vais vous lire les remerciements, enfin une partie. Hein. Je vais couper entre deux. L'aventure de ce livre fut une aventure à deux. Ruth Fayon m'a patiemment raconté sa vie, et je l'ai tout aussi patiemment écrite en confrontant ses souvenirs avec le présent, avec la réalité, avec le terrain, avec les sources historiques, judiciaires. Ce fut un long travail de recherche et de lecture d'ouvrages sur la Shoah. Un long travail également de reconstruction, puis pour Ruth Fayon qui avait, et c'est bien logique, perdu certaines traces de son propre parcours. 3 ans ont été nécessaires pour retisser ces liens. Il m'a fallu me rendre à Auschwitz, bien sûr, mais aussi à Hambourg, Bergen-Belsen, Neuengamme, Prague, excusez-moi, je prononce très mal, hein, Theresienstadt, Tel Aviv, Jérusalem ou encore Bad-Al-Rosen et Buchenwald. J'y ai rencontré ces rescapés qui m'ont raconté leur calvaire. Merci à eux de m'avoir ouvert leurs portes. J'y ai trouvé également des documents originaux, des fiches d'internement, des comptes rendus des procès des gardes SS après 1945 ou des photos de ces derniers. J'ai également senti l'air des lieux. Je m'en suis inspiré pour le livre et accompagné de Pierre-Yves Massot qui a photographié les lieux où Ruth Fayon a passé son enfance, ses longs mois d'emprisonnement et ses premières années de liberté, j'ai ramené ses sensations, ses ambiances, ses images dans mes bagages. J'ai également rassemblé des images tirées de livres historiques ainsi que des films que Ruth Fayon et moi avons regardés ensemble des heures durant. Ruth Fayon a eu beaucoup de courage, il en fallait pour ressortir ses souvenirs enfouis, pour beaucoup dans un coin de sa mémoire, comme pour se préserver du malheur. Il faut savoir qu'à chaque séance, elle semblait revivre les pages noires de sa vie. À de nombreuses reprises, elle m'a demandé d'arrêter notre dialogue, de changer de sujet. « Regardez, j'en tremble », me disait-elle, fragile, touchée, déstabilisée. Elle a beaucoup pleuré aussi.
Merci donc à Ruth Fayon qui a accepté que je lui pose des questions, parfois indiscrètes, parfois trop directes, parfois trop dures, qu'elle me pardonne. Ce livre n'existerait pas non plus sans la volonté d'Ilana qui m'a accompagné tout au long de mes recherches. Voilà, il y a d'autres remerciements et puis termine. Merci enfin à Marie-Pierre, mon épouse, ma muse et mon amour, dont la patience et leur lecture m'ont toujours été indispensables. Et que mes filles Lola et Nina me pardonnent mes longues heures d'absence. Ce livre est aussi, et surtout pour elles, qu'elles n'oublient jamais l'horreur et qu'elles se battent pour que cela n'arrive plus jamais. Plus jamais ça. Voilà. J'ai lu ce livre d'un trait. C'est incroyable, en fait, ce père, cette mère et ces deux filles partant, enfin, qui vont aller de camp à camp, et finalement, à la fin de la guerre, la mère et ses deux filles sortent vivantes des camps, quoi. Enfin, et cette description, avec tout le travail qu'a fait Patrick Vallélian au niveau historique, vraiment, c'est un récit à lire, à faire étudier en classe. Enfin, voilà, si je suis sûr que Patrick Vallélian se déplacerait pour en parler. Enfin, voilà, faut pas. Il y a vraiment des choses à faire. On repasse un petit peu avec la collection de Christos Gevrakis, avec le débat. Alors le débat, il y en a 2, 3, 5, je ne sais pas. Et j'ai trouvé deux textes assez amusants, enfin intéressants. Un texte d'Orwell, donc ça c'est un texte de 1934, c'est dans un numéro, dans le numéro 16 de novembre 1981. Chaque ligne que j'ai écrite depuis 1936 plaidait directement ou indirectement contre le totalitarisme et pour le socialisme démocratique tel que je l'entends. Ce que je désirais le plus au cours de ces 10 dernières années, c'était transformer l'écrit politique en art. À feuilleter ma production, je vois que toujours mes pages manquent de nerfs quand il y manquait une perspective politique, que je me trahissais par des morceaux de bravoure, des phrases sans signification, des adjectifs clinquants et pour tout dire, par des balivernes. À 14 ou 15 ans, j'étais un odieux petit snob. Je suppose que nulle part au monde le snobisme n'est aussi omniprésent ni cultivé sous des formes plus subtiles et raffinées que dans les collèges privés d'Angleterre. Ici au moins, on ne saurait dire que l'éducation anglaise manque à sa tâche. Voilà, j'ai trouvé ça très chouette. Et je me dis, on va faire un petit peu de poésie. J'en prends un au hasard, je ne sais pas ouvrir. Je sais pas. Allez, je prends comme ça. Je vous lis une poésie. Qu'est-ce que ça fait bien, du bien de lire des poésies. C'est un peu long, celle-là. Allez. Abdelatif Labi. Donc ça c'est poésie donc de 87. À savoir que la collection Poésie, c'est Segers qui l'a créée. Hein. Cette collection-là, ça a été une revue trimestrielle, après qu'elle a été reprise. Et puis, donc, Abdelatif Lahabi. Puis, ouverture de la mer. Isthme hachuré de voiliers, ramenant les nomades de l'antique périple, du nom. Ah, leur front immaculé et ces moignons aguerris par l'exode, qu'ils tendent encore vers le rivage radieux de leur sépulture. Ils ont déterré l'œuf insaisissable de l'aurore, aux quatre coins du monde. Ils ont bu, épuisé les eaux de l'oubli. Ils ont terrassé la rancœur, l'attente. Ils reviennent on ne sait où, ni pourquoi. Ah, leur front immaculé, leur sourire de mutant en mal d'histoire. Ils étaient partis pour abolir le centre, pour semer des carrefours, en toute terre, mer, en tout ciel d'ici-bas, pour fonder de nouvelles généalogies d'hommes sentant sans parler, de femmes reprenant le feu, des mains de la gabegie virile, d'enfants parlant au nom de tous, l'idiome transparent de l'insoutenable douceur. Ils n'avaient pas été choisis,
Ils n'étaient pas les missionnaires, ils n'étaient les missionnaires d'aucune parole révélée. Ils ne connaissaient des livres que le cordon ombilical qui les reliait à la vie. Ils avaient fait leurs ablutions avec le sang de leurs veines tranchées pour le pacte d'amour. Ah, ce pays qui m'est blessure, invraisemblable passion. Je voudrais pour lui ne serait-ce qu'un jour où les ténèbres se feront toutes petites, pour que le candélabre incréé de l'utopie brille de mille feux crédibles et nargue impunément les voleurs de soleil. Je voudrais pour lui ne serait-ce que ce jour où il se réveillera sans frontières pour préluder la fin de tout pays, suspendre à ses dômes le poème calligraphie multiple de la nouvelle déclaration. Je voudrais pour lui les choses les plus simples, comme ma main accompagnant de caresses sa douce convalescence. Les choses les plus simples, ai-je dit. Pain paisible, olive du savoir-livre, thé fumant pour baptiser la demeure décente, enfance restituée aux enfants, fin de la peur inaugurale du rêve descendu sur terre. Puis, tout deviendra possible. Le sobriquet jeté à la corbeille pour que ce pays devienne message du pays humain pétri dans toutes les pattes fédérées, creusé répudiant nom et lieu, accompagnant les migrations amoureuses, levé nomade, incrusté d'indomptables gazelles, symphonie de galaxies venant s'abreuver au geyser du dégel humain, floraison immatérielle irriguant le cœur au-dessus du niveau attesté des glaces éternelles. Tabernacle du sang lavé des haines coulant pour la seule vie. Lors, nous regarderons enfin dans les yeux, nous aurons lavé la terre de toutes ses souillures, l'apocalypse pourra venir, et elle sera injuste, oui, parfaitement injuste. Donc c'est un extrait de L'écorché vif, Prosoème, édition de l'Harmattan. Voilà. Alors, c'est assez amusant, parce qu'en fait je me suis aperçu que quasiment tout ce que j'ai là, c'est que des revues. C'est à part le livre de Ruth Fayon, mais c'est que des revues. Et quand j'étais libraire, et en tant que représentant, il y a exactement la même idée. Je ne comprends pas d'où ça vient, de se dire les gens ne lisent pas les revues. Mais il y a tout dans les revues. Enfin, aller feuilleter des revues. Et dans une librairie, il y a plein de revues qui ne sont pas spécialement littéraires. C'est passionnant. Et puis, dans les revues littéraires, eh bien, on découvre aussi des nouveaux auteurs. Et qui sont des auteurs qu'on va pouvoir, découvrir après dans des livres. Et puis, tout d'un coup, ça va être un best-seller. On va dire, ah, vous ne connaissiez pas, hein ? Mais si, c'était dans les revues avant. Il fallait les ouvrir, les revues. Et à ce niveau-là, j'ai reçu tout à l'heure un message de Françoise Hoffmann qui me dit « Pour les curieux et dénicheurs de nature, une amie vient de faire passer une info sur Facebook. » Et en fait, c'est une revue qui s'appelle « Débridé ». Alors, je n'ai pas mis le lien là. Qui s'appelle « Débridé numéro 1 ». Et dedans, qui est-ce que je vois comme personne ? Je vois Éric Poindron. Donc, j'ai contacté Eric, puis je lui ai dit, mais qu'est-ce que c'est que cette revue ? Et puis, l'éditeur m'a demandé, et puis voilà, puis j'ai fait un texte. Et voilà, donc, et ce qui est intéressant, c'est Débridé est né de l'envie de nous déraidir les phalanges au profit d'un combat commun, celui de faire émerger les jeunes voix de la littérature contemporaine. Voilà. Donc, je vais voir ça avec mes libraires. C'est noté sur mes tablettes. Tout comme j'ai dit à Eric, oui, il y a un bouquin qui vient de sortir, Le Voyageur inachevé. Je pense que c'est au Castor Astral d'Eric Poindron. J'adore ce que fait Eric. Donc, je vais l'acheter. Et puis voilà. Ouais, les revues sont initiatrices, mais oui, il y a tellement de choses dans ces revues. Il sera dit, ouais, je suis d'accord. Et je vous en représente une autre, Roditude, je vous en avais déjà parlé. Une revue autour de la route, qui est éditée par Double Ligne. Je vais mettre le lien. Hop, excusez-moi, je fais ma petite cuisine là en même temps. Toc.
Et y a un texte que je trouve très très bon, qui est, en fait, dans chaque numéro, à la fin, il y a un petit texte d'une ou d'un auteur suisse romand. Et là, il y a un texte de Romain Buffa, qui est de Lausanne, comme moi, et des illustrations de Camille Valoton, qui est de Fribourg. Voilà. Et voilà, les illustrations. Hop, là, je vous fais voir comme ça. Et le texte s'intitule La Grève. C'est très drôle. Still at the end of every hard earned day, people find some reason to believe. Bruce Springsteen, pardon, Reason to Believe. La première route n'existe pas. N'existe plus, c'est un souvenir de route. Elle monte et descend, sillonne entre des parois rocheuses rouges. Parfois, elle longe un lac. Soudain, elle devient rectiligne, puis de nouveau sinueuse quand elle s'enfonce dans les montagnes, dont on dirait qu'elles vont s'écrouler sur nous. On est quelque part entre Denver et Glenwood Springs. C'est mon père qui conduit. Une Chevy Caprice 1985 blanche, dont on peut encore deviner sur la portière les traces de l'autocollant du logo de police. Savoir qu'il est au volant d'une voiture de location qui avait un jour été un véhicule de police lui donne pour une fois l'impression d'avoir du pouvoir. Sur cette route, j'ai 4 ans. C'est mon premier souvenir d'enfance. Toute sa vie, mon père a attendu le jour où il retournerait là-bas, dans les Rocheuses, pour rouler sur des longues routes droites en écoutant Bruce Springsteen. Ici, pour se rendre au travail, à l'imprimerie, il prenait la route de la Grève, la seule vraie route du Nord vaudois, d'après lui, où il pouvait garder la cinquième, tenir le volant d'une main, tandis que l'autre pend le long de la portière. Et c'est vrai que le soir, quand des nuages lourds recouvrent la plaine, sur 6 kilomètres entre les arbres et le lac, on pourrait se croire dans le Colorado. Longtemps, j'ai soupçonné mon père de rentrer à la pause de midi pour le seul plaisir de prendre la route de la Grève 4 fois en une journée, soit 40 minutes, la durée de l'album Nebraska. Je le sais parce que le soir, en franchissant le seuil de l'appartement, il sifflotait toujours Reason to Believe, la dernière chanson de l'album, essayant de reproduire un son d'harmonica par de légères vibrations du bout des lèvres. Quand on allait faire les courses samedi en famille, il prenait cette même route. Nous, mes frères, ma mère et moi, on trouvait cette route monotone, moins rapide que les autres, plus dangereuse parce que les gens dépassent n'importe où. Quand on lui demandait pourquoi cette route, il répondait avec un léger sourire en coin: J'aime faire la grève. C'est génial. Petit texte magnifique. Voilà. Alors, avant de terminer, un autre relure, donc qui vient de Christos Karagevrakis, L'œil. Je ne connaissais pas cette revue. J'avais entendu parler déjà, mais c'est pareil, j'en ai quelques cartons. Et j'ai ouvert à peu près au hasard. Donc une revue d'art. Regardez le travail. Enfin, là, c'est autant de l'avant-garde par Michel Sefort dans les premières années du siècle, certaines tendances les plus fécondes de l'art aujourd'hui prirent naissance en Russie. Et il y a tout un ensemble d'illustrations autour de ces textes que je me réjouis de lire. Enfin, c'est ouais, quand je vous dis que je sais pas, il faut une autre vie pour lire, c'est pas possible. C'est incroyable, quoi. Kandinsky, Larionov, Malevitch, enfin, ils sont tous là, ils sont tous là. Bah merci, merci à vous, cela qu'a dur, c'est voilà, ça m'a amusé les maîtres de l'art soviétique avec Lénine dans un nuage et puis Staline en train de skier. C'était vraiment drôle, quoi. Enfin, l'hyper-réalisme. Magnifique. Et donc, je vais.
On va pas terminer par la revue Le Débat, parce que j'aimerais bien terminer par une poésie, puis j'en ai. Mais dans le débat, ça c'est le numéro pour les 10 ans du débat, donc c'est un numéro de quelle année? Mai et août 1990, il y a un texte de Baudrillard. Et moi, Baudrillard, j'adore Baudrillard. Je suis fan. J'ai tous les bouquins de Baudrillard chez Sens et Tonka, qui est un éditeur. Si vous n'avez jamais lu Baudrillard, ah, d'accord. Sola for Georgia, ok. Je ne suis pas très doué. Je ne suis pas John. Si vous n'avez jamais lu Baudrillard, regardez le catalogue de Sens et Tonka. Il y a des bijoux, c'est des beaux petits livres, et c'est passionnant. Et là, il parle du millénaire. Parce que, bah, voilà, il appelle ça l'hystérésie du millénium. Contre cette hystérésie du millénium, je renouvelle ma proposition pataphysique. Ne pourrait-on, au vu de tout cela, faire l'économie de cette fin de siècle? Je propose que soient supprimées d'avance les années 90 et que nous passions directement de 1989 à l'an 2000. Car cette fin de siècle étant déjà là, avec tout son pathos nécroculturel, ses lamentations, ses commémorations, ses muséifications à n'en plus finir, est-ce qu'on va s'ennuyer encore 10 ans de plus dans cette galère? Effacer les années 90, sauter par-delà les 90s, c'est justement échapper à cette rétro-courbure de l'histoire qui l'a fait revenir sur ses propres pas et effacer ses propres traces. Échapper à cette asymptote fatale qui nous ferait rembobiner en quelque sorte la modernité comme une bande magnétique. Nous sommes tellement habitués à nous repasser tous les films, ceux de fiction comme ceux de notre vie, tellement contaminés par la technique rétrospective que nous sommes bien capables, sous le coup du vertige contemporain des images, de faire redéfiler l'histoire comme un film à l'envers, alimentant la fin de l'histoire, du revival indéfini de ses péripéties, exhumant son déroulement à titre posthume. Moi, vous savez que Matrix, les réalisateurs de Matrix ont travaillé avec Baudrillard, hein, pour Matrix. Enfin, pour moi, c'est vraiment un philosophe majeur. J'avais lu dans, je ne sais plus dans quelle revue il avait écrit, et c'était sur le 11 septembre, il avait écrit un texte, ah oui, c'était aux éditions Ligne. Je sais plus comment s'appelait la revue, c'était peut-être Ligne en fait. C'était peut-être Ligne. Et il y avait un texte de lui sur le 11 septembre. J'ai jamais lu une analyse comme ça. Enfin, et malheureusement, j'étais libraire, j'ai vendu tous les numéros, il s'est trouvé épuisé. Voilà. Voilà. Et on termine par une petite poésie. Je remercie beaucoup. La semaine prochaine, mardi, on retrouve Isabelle Panatier. Et peut-être que dimanche, il y aura de la poésie. C'est possible. De toute façon, vous êtes averti 10 minutes avant si vous êtes abonné. Vous avez la petite cloche, je sais pas où. Vous cliquez sur la cloche, puis comme ça, vous êtes abonné. Et quand je mets le timing, 10 minutes avant, vous êtes averti qu'il y a un Twitch. Et puis vous venez ou vous venez pas. C'est votre plus grande liberté. Et vraiment, je tiens à ce que personne se force à venir. Je trouve ça. Se forcer à lire, se forcer à écouter la lecture. Jamais, jamais. Faut jamais faire ça. Enfin, je pense. Allez. Je ne sais pas du tout qui c'est. Christiane Keller, je ne connais pas. Entaille dans la tiédeur de l'écorce. Artésienne, soudain les sèves, sous la soif. L'oracle des jeunes menthes délie les lèvres. Et l'eau de la femme s'assouplit de l'espace où naître est nommé, s'étreignent en incandescence. Commencent à monter les avoines. L'événement veille, sois sans crainte. L'aubépine affûte ses hautes fenêtres sur la marche molle des troupeaux. On appelle à l'herbe, au verbe, à lier les vents au blé noir, rumeur à rompre l'ombre dans l'auberge du chemin. La saison a séché ses fruits
au four de pierre et mûris les marches vers le vin nouveau. Tu as vu l'aveu du soleil aux voûtes romanes et les regards ouverts au vent des éraflures. Mauve et réceptive, la ferveur lève ses épis d'aurore sous la calligraphie du plomb. Laisse le souffle en toi faire son nid de chair et mener la matière à la clarté de son nom. Et l'enfant nouveau-né posera sa tête doucement de l'autre côté de la question. Et ça, c'est un extrait de Le lieu de l'amandier inédit. C'est très très beau. Voilà, sur cette poésie, je vous laisse. Je vous dis à mardi si vous le voulez bien. Et puis, un grand merci d'avoir été là. Et puis, peut-être poésie dimanche. Je vais y réfléchir. Mais c'est possible, en fait. Ça me titille, en fait, de refaire un truc de poésie, mais peut-être un petit peu plus tard. Peut-être 21h, 23h, un truc comme ça. Enfin, je sais pas, faut voir. Faut voir, mais là, je peux pas rester avec ça. On me donne des textes d'auteurs, et puis bonne soirée Karl Marx, on me donne des textes comme ça, ils sont là pour être partagés, partageons un maximum. Si vous faites une chaîne Twitch un jour et puis que vous faites de la littérature, dites-le moi, ça m'intéresse, je viendrai vous écouter, je viendrai chatter, ça vous apprendra. Voilà, écoutez, je vous souhaite une belle soirée à toutes et à tous, un grand merci, et puis à très bientôt. Salut.